Maître, vous êtes satisfait de la décision ? Oui, évidemment, nous sommes effectivement satisfaits. Nous avions expliqué depuis le début que nous avons voulu faire du pénal contre les rebelles alors qu'il s'agissait d'une action symbolique non violente. Les juges ont entendu raison, ont expliqué qu'on ne pouvait pas imputer les dégradations matérielles aux Femen et surtout qu'il n'y avait aucun élément intentionnel. Je rappelle qu'elles étaient venues avec des bâtons recouverts de feutrine. Donc, elle n'avait jamais eu l'intention de dégrader ses cloches. Et le juge a relevé que les dégradations avaient très bien pu avoir lieu par des visiteurs ou le service de sécurité au moment de l'intervention. D'autre part, les magistrats ont reconnu la culpabilité du service de sécurité de Notre-Dame qui avait agi de façon disproportionnée en interpellant des militantes qui ne présentaient aucun danger pour l'édifice. Voilà. Nous espérons évidemment que l'Église, Notre-Dame et le ministère public prendront compte de cette relaxe et n'interjeteront pas appel de cette décision. Oui, je suis satisfaite, on est toutes satisfaites. Je ne suis pas étonnée plus que ça. J'aurais été très étonnée qu'on soit condamnée. Parce que ça serait remis en doute la laïcité et le sécularisme en France, et ça aurait été très grave pour la France. Okay. Et vous avez continué les manifestations, y compris dans les églises ? Évidemment, tant que l'Église entravera à l'espace public et sera dans l'espace public, on continuera à manifester contre toute forme de religion qui est dans les rues de la République, dans les rues de la République et qui entre dans nos vies, bien sûr. La religion est une affaire privée et n'a pas à être publique. Notre-Dame va nous manquer, on espère les revoir très bientôt. On a passé une magnifique année avec eux, le spectacle était très intéressant, donc on continuera à se battre contre l'Église à Notre-Dame et ailleurs. Mais pourquoi ils suivent, sérieux ? Ouais. Ah bah oui.